Salut à tous et à toutes, ici c'est Little Estroy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoute. On se retrouve pour Final Fantasy XV et nous nous rendons dans 1 km et quelques où nous allons devoir rejoindre un barrage. Donc j'ai changé la voiture, un peu le design. Voilà, j'ai mis des crânes partout. J'adore. Ce que j'aimais faire aussi, c'est ça, quand on freine. Mais qu'est-ce qui te prend? Excuse-moi. C'est très con, mais j'aime bien. On arrive. Donc j'espère que pour l'instant, cette série vous plaît. Moi, elle me plaît en tout cas, j'aime bien. Donc on verra le reste, ce que ça donne. De mon côté, j'ai fait 2-3 petites quêtes secondaires qui servent à rien. J'ai une quête qui bug, mais bon. Le prince s'est mis tranquille. Donc c'est parti, on va Alors, rejoindre qu'est-ce la qu'on fait? truc. Le barrage. Bon. Je vais récupérer ça. Bonjour. À partir de là, nous allons former 2 groupes de combat. Prince Noctis, le maréchal vous attend un peu plus loin. Vous autres, venez avec moi. Nous allons attaquer en force pour créer une diversion. Bon, à plus tard, les amis. Noct, mets-leur la misère. Nous, on fera pareil de notre côté. T'inquiète pas. Petit changement de merde. Donc là, on va péter un barrage. S'ils font diversion, nous aurons plus de facilité à frapper vite et fort. L'Empire ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Désolé, ça a bugué. C'était moche, je vais couper au montage. La vie est plus facile à l'explorer dans les parages. Ne compte pas trop là-dessus. Je ne serai pas toujours là pour vous sauver la mise. Alors autant.
pense pas. Donc si j'ai coupé, c'est normal, hein. Parce que le jeu a bugué de mon côté. Mais ils n'avaient pas raté grand chose, j'ai juste battu les mecs qu'il y avait là. Quand je me recharge. Allons-y. Boum. Une voix dans le nez. J'ai vu ça. Mon attitude m'a empêché de me concentrer. J'aurais pu gagner tout seul. Surestimer est le plus court chemin vers l'échec. Mais si tu fermes ta gueule aussi, c'est surestimé. Les autres, tu crois qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Concentre-toi surtout sur notre mission, ami. Ouais, ouais, d'accord. Mes yeux, j'attends un peu pour la vie. Bon combat. Tout comme d'un coup. Donc, où je disais, excusez-moi, ça a bugué tout à l'heure, du coup il y aurait une micro-coupure, mais vous avez rien raté, il y avait juste trois gars au bout du couloir, du coup c'est tout. Vous avez rien raté de grave, aucun dialogue ni rien. Toujours vérifier dans le petit coin. Ça, c'est un vrai barrage, hein. Noct. Je suis content de vous revoir, Maréchal. Alors, ça s'est bien passé pour vous? Comme sur des roulettes. L'Empire s'attendait pas à ça. Non, et encore moins un autre duo. Eh merde. Eh vous là, pas de plus. Corps l'immortel. Étonnant. Tu as donc réussi à t'échapper de la citadelle? Mais la légende de Corps ne survivra pas à ce qui t'attend ici. La réputation périmée va prendre fin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il... What the fuck?
Ouais, Zéro. Chou là. Laissez-moi faire. Tu peux te charger de l'autre. C'est bon. J'y suis déjà. Non. Allons-y. Merci. Évidemment. À l'attaque. Ouais. Je ne prends jamais à esquiver. Reste avec nous, Gladio. On a besoin de toi. Désolé. Ça va mieux? Merci. Non. Si ça tourne. Je t'abandonne. Hey. Si tu peux pas sauver. Au moins, sauve-moi. Merci. Il y avait le mec dedans, je rappelle. Impressionnant. Te voir en action est réconfortant. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter désormais. Mission accomplie. Je retourne espionner l'Empire. J'espère que l'on se reverra bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Toi aussi. Tous ces XP. Cet endroit est plutôt sympa, quand on le connaît bien. Sauf qu'on le connaît très mal. Et qu'on a beaucoup à faire. C'est vrai. Allez, courage, c'est que le début. Ouais. C'est pas intéressant. D'accord. Ah, ouais, chapitre fini. Celle-là, elle est bien à peu près, donc on enregistre. Un vaste monde. L'Empire est un ennemi puissant et Noctis a largement dévolu au point d'avoir une chance de reprendre le cristal. Il part donc à la recherche du pouvoir de ses ancêtres.
Toujours le chargement qui est assez long. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, hein. Sur le jeu, sur l'ambiance. Allez. Ainsi, le prince a échappé à la mort. Et je te vois. Où est-il passé? Une Afreya l'a emporté dans sa fuite. Trouvez-la au plus vite. Et tuez-la! Je n'ai besoin que de l'anneau. Il serait plus avisé de la capturer. Comme vous le savez, les Six possèdent des pouvoirs inouïs. Et c'est par le biais des serments de l'oracle que ces pouvoirs sont accordés au roi élu. L'étudier vivante serait plus profitable, ne pensez-vous pas, mon cher grand commandant? Sir Gravius, vous êtes désormais à la tête de l'armée impériale. L'auriez-vous oublié? Cependant, nous devons d'abord les débusquer, elle et le prince. N'ayez crainte, votre éminence. Je ne connaîtrai de répit que lorsque nous les aurons retrouvés. La lumière, je la vois dans le cristal. Ah, les grands espaces, j'adore ça, moi. Ouais, on va enfin quitter cet endroit poussiéreux. Les régions que l'on va traverser sont encore plus vastes que celles de l'île. C'est cool, ça. Plus grand, ça veut dire plus de trésors. Nous allons d'abord rejoindre Duskae, célèbre pour ses marais. Des marais? Passionnant. Il y a aussi une forêt de chocobos. T'as dit chocobos? Plus à l'ouest, c'est la région de Klaigne. C'est là-bas que se trouve la ville de l'Estalou. C'est là que s'est réfugié Iris, n'est-ce pas? Ouais. Si tout s'est bien passé, elle devrait déjà y être. Elle a peut-être même déjà vu le météore, si ça se trouve. Le météore légendaire? C'est ça. Mais c'est maintenant la source d'énergie de l'Estaloum. C'est vrai? Mais c'est une super idée, ça! Je dois avouer que ça m'intrigue, cette histoire. Intéressant. Pardon. Ça risque d'être un long voyage. On fait le plein maintenant? Je pense que désormais, on connaît bien la région. Noct, si t'as envie de conduire, je t'en prie, prends le volant. D'accord. Mais qui ça peut être? Allô? Noct? Iris? C'est vraiment toi! Quelle joie de t'entendre! Tout va bien ici. On vient juste d'arriver à l'Estaloum. On s'est installé dans un hôtel. C'est plutôt sympa. J'espère que vous pourrez venir nous voir. Ouais. D'accord, c'est promis. À plus tard. C'était Iris? Et elle appelle même pas son frère. Eh bien, à sa décharge, on n'a pas encore annoncé ta mort dans tous les journaux. Et moi alors? Elle a demandé de mes nouvelles? Vous avez vu ça, les gars? Il y a un parc de chocobos! Oh là, du calme. Faut qu'on aille à l'Estaloum. Allez, y a rien qui presse. On peut faire un détour. Allez, on y va. Ouais, ok. Allons voir ça. Non, oh, oh, ça va être trop cool. C'est les voisins qu'on entend, désolé. Est-ce qu'on peut y aller en... En voiture. Oh, on dirait que oui. Bougez de là. Merci. Attendez avant. On va faire le point sur ce qu'il y a autour. Sir Ravus Noxfleuret a récemment été nommé grand commandant de l'Empire.
Si Ravus serait revenu à Niflheim pour soigner de graves blessures reçues lors de la récente attaque de la citadelle. Le grand commandant reprendra bientôt sa mission pacificatrice au Lucis. Tu parles. À demain. Bienvenue au Crow's Nest. Pourquoi il y a demain l'autre? Qu'est-ce qui vous tente? Y'a qu'un parking, oula. T'as l'extrême loup, il m'a beaucoup de trucs. A bientôt, j'espère. Le réservoir est vide. Faut vite faire le plat. Ouais, faut vite faire le plat. Bienvenue. Merci. On va lui vendre nos trucs. Non. Au plaisir de vous revoir. Ils ont plus de café, Bonnie. Pourvu qu'il ne le découvre pas. Il va nous faire une attaque. Premier jour de congé. Oh, des chocobos. Mais oui, on y va. On va conduire, de toute façon, ça sert à rien. En avant. Ok, on y va. Parce qu'on contrôle rien quand on conduit. Regardez, je tourne pas, je touche pas le joystick. Alors, j'espère qu'il y a une carte pour une... Attendez, ouais non, je contrôle pas. Regardez, je... Hop là. Ouais, c'est de l'autre côté du lac. Oh, une créature! De toute façon, on découvre des parkings. Regardez dans le lac, là. Mais si là, on peut tourner. Je vois une route, mais... C'est le disque de Kotes. Dis, Noct, si on prenait une photo avec le météore. Ouais, bonne idée. Ok, et ben on y va. D'accord. Et... Ah d'accord. On va faire la photo s'il veut. Je contrôle plus rien. On a besoin d'exercice. C'est un metteur là. Noct, au-dessus de nous. Ils sont là. Merci. Ah ouais. Tiens, photo. Tu fais une belle photo. Bien vu. Je prends ça en photo. On va rigoler. Où c'est qu'il fout son trépied? Allez, un petit clic. D'accord. Bon, on va l'enregistrer, hein.
Pardon. Oh, la lumière est superbe. Ok, j'ai eu un trophée. En avant. On y va ? Ah, je vais tourner là. Oh, ça, je connais ! C'est le vieux météore. C'est ça. Et figure-toi qu'il brûle encore de nos jours. Ce qui fournit plein d'énergie à l'Estaloum. Merde, je suis allé trop tard. Trop tôt. À l'instar de notre cristal à la capitale. Ah ouais, c'est pas bête du tout. Une seconde, hein. Je peux pas le faire, là. Ouh, c'est quoi ce truc? C'est un taureau géant. Ah, je vais aller à la ferme à Chocobo. On descend là. Ça marche. On va se garer vite fait. Ça recommence la randonnée? Quête. Non, vous savez quoi? On va aller directement à la. Attendez, automatique. À la mission là. Bon, vous êtes tous prêts? Oui. Ouais. Pas connu les gens. Je ferai de mon côté les chocobos, sauf si vous voulez voir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ah, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez, si vous voulez d'autres vidéos. Ou à mettre des commentaires sur pour débattre du jeu, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Les jeux que vous allez voir dans la chaîne. Ça fume là-bas. Tu vois personne. Donc je joue pas, je suis derrière là. Je suis en train de dormir, je sais pas. On explore, c'est un jeu d'exploration un petit peu aussi. Ça va. C'est garé. On a découvert un truc là? Non. Bah si. La prairie de Ridiel. Le jeu est magnifique, hein. Là, je me pose. Ça pouvait faire ça en vrai pour se poser. Des girafes. Petite forêt. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bien sûr, cela, les amis, je vais vous laisser. Donc, on a vu qu'on a détruit un barrage et on explore un petit peu de nouvelles villes, enfin, de nouvelles régions. Donc, je vous dis. Oh, j'ai oublié ça. Non, je vous dis, prenez soin de vous. Pardon. Et voilà, d'ici là, n'hésitez pas à regarder les autres. C'est impressionnant de voir le météore.